Valérie Guénon, bonjour. Bonjour Xavier. Merci de m'accueillir pour cette interview. Merci de bien vouloir répondre. Vous travaillez pour le groupe Safran. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, je suis directrice de la politique environnementale des produits pour la société Safran Aircraft Engines qui fait des moteurs d'avion et je travaille également au service du groupe pour ces sujets-là. Parce qu'évidemment, il y a d'autres lignes de produits que les moteurs. Safran fait plein d'autres choses. On Absolument. fera peut-être des Safran est vidéos. un équipementier de premier plan. Nous faisons beaucoup d'équipements majeurs sur l'avion, comme on peut le voir sur l'image qui est derrière moi. Effectivement, on zoomera dessus. Oui. Alors, on dit, c'est une réalité, l'avion pollue, l'avion émet du CO2. Est-ce que, alors déjà, de quelle pollution on parle quand on parle d'un avion? Effectivement, il y a la pollution et il y a les émissions de CO2. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je distingue la pollution locale, c'est-à-dire les effets qui sont près de l'aéroport, le bruit, la qualité de l'air. Et ça, je parle de pollution. En ce qui concerne les émissions de CO2, il s'agit de l'impact planétaire de l'aviation, hein, donc on dit global en anglais, et qui concerne le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 de l'aviation, vous me corrigez, mais c'est autour de 2% du total des émissions de gaz à effet de serre humaines, à peu près. C'est ça. Alors le 2%, j'aime bien être précise dans ces chiffres, c'est 2% des avions en exploitation. Ok. Alors, après, si on veut rajouter d'autres émissions, c'est plutôt entre 2 et 3%. Par exemple, les émissions dues à la production et l'acheminement du carburant qui ne dépendent pas de nous, mais qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'aviation. C'est un exemple. Alors, oui. Moi, j'aime encore être encore plus précis. Alors, si on prend que ramener au CO2 et pas tous les gaz à effet de serre, effectivement, on atteint 2,8%. Mais si on prend tous les gaz à effet de serre et pas que le CO2, en prenant le méthane et tout le reste, on est quand même un petit peu en dessous, autour de 2,4 plutôt que de 2,8. Ça, c'est des débats qu'on peut avoir Oui, pendant longtemps. il Mais y a c'est vrai beaucoup que de. Mais bon, les chiffres, en le fait, ce que je voudrais dénominateur dire, change beaucoup c'est de choses. que. Oui, exactement, le dénominateur change, mais en tout cas, les chiffres sur le CO2, il n'y a pas trop de discussion. Non, bien sûr. Voilà, on sait précisément combien de CO2 est produit, il suffit de savoir combien consommer de carburant, Oui. et puis ben, on sait malheureusement quel effet le CO2 a sur le changement climatique et son temps de résidence très long dans l'atmosphère. Donc, oui, après, les chiffres, ils varient, c'est pas parce qu'ils sont inexact, c'est simplement que ça dépend du dénominateur, de l'assiette qu'on a considérée et du périmètre qu'on a considéré. Bon. Du coup, il y a aussi les effets non CO2. Donc on a l'étude Lee, par exemple, qui est parue en septembre 2020 et qui nous dit, qui nous prouve que l'aviation représente 3,5% du réchauffement climatique d'origine humaine, c'est-à-dire bien en dessous des estimations qu'on avait par le passé, mais parce qu'il y a des effets non CO2, notamment les traînées de condensation, comment est-ce qu'on peut travailler aussi sur ce domaine-là? Alors, je me permets, Xavier, d'être un tout petit peu plus mesuré que vous en ce qui concerne le fait d'avoir prouvé. En réalité, donc l'étude effectivement du professeur Lee, on a la chance quand même d'avoir un certain nombre d'éminents scientifiques qui se penchent sur le sujet, mais pas tant que ça. En fait, c'est pas un sujet qui a été encore suffisamment étudié. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est pas moi qui le dis, mais il m'a été rapporté que quand on discute avec les scientifiques du GIEC, nous, l'aviation, on aimerait bien qu'ils se penchent un peu plus sur la question de Ça ne l'empreinte rien. climatique de l'aviation. Et la dernière fois que le GIEC a publié un rapport spécifique sur l'aviation, c'était en 1999. Et en fait, pour les scientifiques du GIEC, l'aviation est un acteur relativement mineur de ce problème de changement climatique. Bon, on espère bien que les scientifiques vont continuer à progresser dans la connaissance parce que aujourd'hui, donc ce chiffre de 3,5% de la contribution au forçage radiatif global, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Ça fait appel à des mécanismes super complexes d'interaction entre les émissions, l'atmosphère, les phénomènes météorologiques. Donc ça, c'est La super destruction complexe. du méthane par certains composés qui sont émis, donc il y a des effets Oui, refroidissants aussi. il y a aussi des effets refroidissants, tout à fait.
Tout ça, ça se passe en altitude, en très haute atmosphère. C'est la particularité des avions, c'est ouais. qu'ils émettent leurs émissions là-haut. Donc, aller faire des mesures, en fait, aujourd'hui, cette évaluation, elle repose surtout sur de la modélisation. Et ce serait quand même pas mal de pouvoir avoir, bon, comme dans toute démarche scientifique, d'avoir un peu d'expérimentation. Donc, ça sous-entend d'aller faire des mesures très haut en altitude. Parce que quand même, là où il y a des incertitudes, c'est justement sur les effets refroidissants. Donc on sait plutôt que le palier haut serait à 3,5%, mais il y a un paramètre en particulier qui n'est pas mesuré, qui pourrait avoir un effet refroidissant jusqu'à moins 100 milliwatts par mètre carré, quelque chose... Oui, ça fait partie en effet de l'incertitude que... Mais l'incertitude n'est pas vers le haut maintenant, elle est plutôt vers le bas, en dessous de 3,5%. Oui, alors bon, je serais assez prudente quand même avant d'affirmer quoi que ce soit, parce que quand on parle d'incertitude, bon moi je suis prudente. Ce qui est vrai, en effet, c'est qu'il y a un phénomène qui est l'interaction entre les aérosols et la formation de nuages de basse altitude qui aurait un effet refroidissant et potentiellement très refroidissant. On pourrait même imaginer qu'il contrebalance complètement l'effet réchauffant du reste, qui aujourd'hui n'est pas évalué dans l'étude du professeur Lee parce qu'il n'a pas suffisamment de certitude scientifique. Donc, moi, je dis simplement, faisons confiance aux scientifiques, espérons qu'on pourrait avoir un peu plus de mesures expérimentales et on a besoin d'un peu plus de certitude sur cette question-là. C'est important parce que on en a besoin pour savoir quelles mesures apporter, quelles réponses apporter en tant qu'aviation, les compagnies aériennes, les avionneurs et puis nous en tant que motoristes. Que fait Safran pour le bruit ? Que fait Safran pour le bruit ? Alors, ça fait longtemps que Safran travaille sur le bruit pour une raison très simple, c'est que le bruit, c'est une des caractéristiques environnementales des avions qui a été réglementée en premier de façon internationale. Et en fait, ces réglementations, elles se sont, au fil des années, au fil des décennies, elles se sont considérablement durcies. On se rend bien compte. Quand on écoute les avions d'il y a 50 ans et les avions les plus récents, c'est très impressionnant la différence. C'est de quel ordre de grandeur la réduction ? Plusieurs dizaines de décibels. Alors en fait, on dit, parce que les mesures de décibels, oui, ce sont des échelles logarithmiques et en plus, on prend plusieurs mesures en cumulé. En fait, pour simplifier, on dit qu'on a divisé par 4 ou 5 le bruit perçu des avions. Alors, pour tout ce qui est qualité de l'air, pour tout ce qui est du coup aux approches autour de l'aéroport, on sait par exemple qu'il y avait une étude d'Air Paris qui était assez intéressante, qui montrait que les gens qui habitaient proche de l'aéroport, ils étaient plus pollués par l'autoroute A1 que par les avions au sol. Alors, qu'est-ce que vous faites aussi de ce côté-là ? Oui, alors c'est tout à fait vrai. En fait, la qualité de l'air, elle est affectée, en ce qui concerne les avions, elle est affectée par un certain nombre d'émissions d'espèces chimiques ou physiques, que sont les oxydes d'azote, ce qu'on appelle les NOx, les suies, et on entend beaucoup parler depuis quelques années des particules fines et ultra fines. Alors, ces particules fines et ultra fines, on en a entendu parler beaucoup en termes de pollution citadine à cause des voitures. Les avions sont réglementés également pour les particules fines depuis 2016. La réglementation du NOx, elle date de 1981. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je peux parler un peu de la technique, oui. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je revienne sur la technique pour le bruit. Ok. Donc, je vais revenir à ce qu'on fait pour le bruit. Et alors, donc, j'ai ici une maquette du LEAP 1A, qui est le moteur qui équipe la 320 Neo. Mm-hmm. Sachant qu'il y en a des versions aussi pour le B pour Boeing et le C pour Comac. Oui, voilà, c'est facile à retenir. A comme Airbus, B comme Boeing, C comme Comac. Donc c'est le dernier né de notre, c'est la dernière génération de nos moteurs. Ce qu'on a fait pour réduire le bruit des moteurs, la première chose, ça a été de réduire la vitesse de rotation de la soufflante. Alors la soufflante, c'est la partie du moteur, c'est la seule partie du moteur qu'on voit quand on prend l'avion et qu'on regarde le moteur. On voit cette roue qui est à l'entrée du moteur. Tout le reste est masqué par la nacelle. Donc, réduire la vitesse de rotation de cette soufflante permet de réduire le bruit. Le seul problème, c'est que si on réduit trop la vitesse de rotation de la soufflante sans rien faire, on perd la poussée. C'est un peu embêtant puisqu'un moteur, c'est fait pour pousser.
Donc, pour compenser, pour maintenir le débit d'air, on augmente la surface et donc la taille, le diamètre de cette soufflante. Quand on fait ça, on augmente un paramètre qui est super important dans la conception des moteurs, qui s'appelle le taux de dilution. Et le taux de dilution, c'est la proportion entre la quantité d'air qui passe au travers de la soufflante et qui ressort directement derrière l'air libre, et la proportion d'air, la quantité d'air qui passe à l'intérieur du corps du moteur et qui va traverser le compresseur, la chambre de combustion, la turbine, et qui va ressortir. Alors on appelle ça l'air froid et l'air chaud. Voilà. Donc ce taux de dilution, plus il est élevé, et meilleur est le rendement, un paramètre des moteurs qui s'appelle le rendement propulsif. Donc l'avantage quand on augmente ce taux de dilution, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups. On diminue à la fois le bruit et la consommation. Donc ça, c'était double avantage. Double avantage. Et c'est pour ça que les vieux moteurs, ils ressemblent plus à des cigares. Quand on regarde les moteurs de la Caravelle, il n'y a pas ce taux de dilution parce qu'il n'y a pas d'air froid. Il n'y a que la chambre de combustion, comme si on était sur un avion de chasse. Exactement. Les moteurs, ils ont grossi aussi au fil des années. C'est pour cette raison, enfin c'est pour ces deux raisons, le bruit et la consommation. Alors d'ailleurs, voilà, on voit que le moteur, il a une taille de guêpe, hein, parce que donc il a cette grande soufflante et puis ensuite à l'intérieur, la turbomachine, ça se rétrécit considérablement pour comprimer l'air. Alors, d'autres parties du moteur font du bruit. On a travaillé également sur le bruit de la chambre de combustion, le bruit de la turbine, le bruit de l'échappement. Il y a un équipement qui est très important pour la réduction du bruit, c'est la nacelle donc, qui enveloppe le moteur, qu'on a tapissé de revêtements absorbants acoustiquement. Et puis, il n'y a pas que le moteur qui fait du bruit. Le train d'atterrissage. Par exemple, voilà. En fait, l'avion fait du bruit, c'est un bruit aérodynamique, et en particulier les trains d'atterrissage. Donc, nous, notre société, Safran Landing System, qui fait des trains d'atterrissage, est en train de développer des systèmes de masquage du train pour faire moins de bruit. C'est vrai que le train, on le sort quand il est sorti, quand on s'approche des habitations. Ça fait un siffle, ça peut faire un sifflement désagréable. Et donc, Safran Landing System est en train de tester ce dispositif sur l'éco-démonstrateur de Boeing, qui est un 787. Un beau projet. Oui. Aussi. Donc, avant, les bruits secondaires, typiquement les trains d'atterrissage, ils étaient masqués par le fort bruit du réacteur. Mais comme le bruit du réacteur est de plus en plus faible, on commence maintenant à s'intéresser aux bruits secondaires qui sont derrière. C'est un petit peu ça. Oui, c'est un petit peu ça. Alors, on commence pas. Ça fait quand même assez longtemps qu'on le fait. Mais effectivement, on entend des bruits qu'on n'entendait pas parce que le moteur était assourdissant. Ok. Et donc, les NOx et tout le reste, on fait quoi? On remélange l'air à l'intérieur? Alors, les NOx, la question des NOx et des particules, là, c'est une question qui relève vraiment de la responsabilité du motoriste entièrement. En fait, vraiment, en tant que motoriste, on est sur tous les fronts de ces questions environnementales. Le bruit, en fait, la norme de bruit, elle est portée par l'avion. C'est l'avionneur qui est responsable qui est redevable du respect de cette norme, puisque le bruit dépend de l'ensemble. En revanche, les normes pour les NOx et les particules, c'est uniquement porté par le moteur. Parce qu'en fait, ce sont des produits de la combustion. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu de l'horlogerie fine, mais je ne sais pas si mes collègues spécialistes de la combustion apprécieront ce que je dis, mais ça n'engage que moi. C'est beaucoup mieux que de l'horlogerie fine. Parce que par exemple, si on regarde des injecteurs, la technologie des injecteurs, ce sont des équipements de petite taille super précis. Mais en plus de l'horlogerie fine, ça doit tenir des températures phénoménales, des contraintes, de la vibration. Et les chocs, les oiseaux, la grêle. Alors, les oiseaux, ils vont a priori pas jusqu'à la chambre de combustion. Retour. Oui, mais c'est l'environnement vibratoire et thermique du moteur qui est hyper violent. Quoi. Donc, et pour autant, ça doit avoir une fiabilité et une durée de fonctionnement sans problème exceptionnelle. Bon, alors pour revenir à la chambre de combustion, il n'y a pas que les injecteurs, mais dans toute la science des gens qui font de la combustion consiste à assurer
le bon mélange entre le carburant et l'air, la bonne proportion, la bonne taille des gouttelettes, la bonne répartition dans la chambre, la forme de la chambre, la répartition des températures. Tout ça fait que ils ont réussi à réduire les émissions. Donc les NOx, on les a divisés par 4, au moins 4 également, en une cinquantaine d'années. En termes de particules fines, ce moteur a des performances absolument excellentes. Alors du coup, là, on a bien abordé les deux premiers sujets, qui sont ceux qui font moins de bruit médiatique en réalité. Il y a aussi toute la dimension CO2. Alors là, quels sont les engagements pour les motoristes? L'engagement des motoristes et de l'aviation, c'est de réduire considérablement ces émissions de CO2, parce que ça fait partie de l'effort que nous devons faire, comme toutes les activités qui contribuent au réchauffement climatique, nous avons l'obligation de réduire ces émissions. Les engagements des motoristes aujourd'hui, donc il y a les engagements à tag, ça consiste à dire on va diviser par deux les émissions de CO2 de l'ensemble de l'aviation mondiale en 2050 par rapport à 2005. Donc, malgré sa croissance, je précise quand même, c'est pas un nombre de voyageurs égal. Absolument, malgré sa croissance, parce que l'aviation croît, la demande de transport aérien a considérablement cru ces 20 dernières années. Donc, la profession, tout le secteur de l'aviation mondiale s'est fixé cet objectif de division par deux des émissions totales nettes de CO2. Mmh. Aujourd'hui, on va même plus loin, notamment parce que l'Union européenne a fixé un objectif, enfin, est en train de fixer un objectif avec dans le cadre du Green Deal, du Pacte vert, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et en tant qu'Européens, parce qu'on est quand même essentiellement Européens, eh bien nous allons accompagner cet objectif qui est super ambitieux. Aujourd'hui, l'aviation a considérablement réduit ses émissions de CO2 par passager et par kilomètre. Elle n'a pas réduit ses émissions de CO2 totales à cause de la croissance, mais ses émissions ont augmenté beaucoup moins que la croissance. On a divisé à peu près par 5 la consommation par passager et par kilomètre des avions. Mmh. Ça passe, le premier levier pour un avion, c'est l'allègement. Donc l'allègement, l'avionneur va alléger sa structure et ça passe essentiellement par l'utilisation des matériaux composites qui ont connu un essor extraordinaire ces 30 dernières années. Donc cet allègement, évidemment il y a la conception aérodynamique de l'avion qui est très importante. La traînée réduite, etc. Voilà, ça c'est très important. Les compagnies aériennes également jouent un rôle dans l'allègement de l'avion, dans l'optimisation de la masse embarquée. Avec des sièges, avec des galets. Voilà, c'est pas moi qui vais vous faire une leçon, Xavier, là-dessus, parce que je sais que vous avez déjà... c'est votre spécialité. Il y a également les optimisations de trajectoire. Alors, si j'en arrive maintenant au moteur et aux équipements, donc, en tant qu'équipementier, on travaille sans relâche à diminuer également la masse de nos équipements et en particulier les équipements de cabine, puisque nous faisons également des sièges, des compartiments, de bagages, etc. Donc l'utilisation de matériaux allégés et de techniques pour que ces sièges soient beaucoup plus légers tout en ayant les mêmes fonctionnalités, ça permet de réduire considérablement la masse. Donc l'autre levier qui est très important, c'est la consommation spécifique du moteur. J'ai parlé tout à l'heure du taux de dilution qui est bien pratique à la fois pour le bruit et pour le rendement propulsif. Donc voilà, on augmente la taille de la soufflante. Il y a un autre paramètre qui est très important qui s'appelle le rendement thermique. Et le rendement thermique, on l'améliore en augmentant le taux de compression. Donc, le taux de compression, c'est ce qui fait que l'air va être considérablement comprimé quand il traverse. Alors, le problème, c'est que quand on augmente ce taux de compression, on augmente la température. On augmente la température, en particulier au niveau de la chambre de combustion et la turbine qui se trouve juste derrière. Alors ça pose plusieurs
des défis extraordinaires pour les ingénieurs. Et d'abord, je voudrais dire que, en tant qu'ancienne ingénieure en mécanique des matériaux, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, un moteur d'avion, il n'y a pas de plus grand défi pour un ingénieur en matériaux. Parce que quand on pense à ce qu'on fait subir à ces pièces, en particulier, je pense aux aubes de turbine qui sont juste derrière la chambre de combustion, qui sont soumises à des contraintes considérables, des contraintes mécaniques considérables, à un environnement vibratoire considérable. Elles sont soumises à des températures supérieures à 1000 degrés. Elles, comme je disais tout à l'heure, ça fonctionne comme une horloge. On a inventé des matériaux spécifiquement pour ces pièces-là et rien d'autre. Voilà. Donc, ce sont en plus des pièces très complexes avec des circuits de refroidissement super complexes à l'intérieur. Et ben, ces pièces très complexes, elles sont constituées d'un seul et unique cristal. Ça s'appelle des monocristaux. Voilà. Bon, j'arrête là parce que c'était juste un message vis-à-vis des étudiants en matériaux. Voilà. Venez bosser dans le domaine, c'est voilà, super intéressant. Oui, c'est voilà, ça le message. C'est ça. Donc il faut travailler sur la tenue en température. Mais il y a un autre inconvénient, c'est que quand on augmente la température, eh bien on favorise la production de NOx. Donc là, trouver le juste milieu, l'équilibre. Voilà, c'est ce qui fait que ça donne un défi supplémentaire aux spécialistes de la combustion qui eux travaillent sur la chambre de combustion. Alors tout ça, c'est ce qui a permis donc à nos moteurs d'être de plus en plus sobres en carburant. L'augmentation du taux de dilution, c'est un paramètre fondamental. Mais on voit bien que ça a ses limites. C'est-à-dire que cette grosse soufflante, si on l'augmente de plus en plus, on va se trouver confronté à des problèmes de masse et de traînée sur l'avion. Et de taille qui passe plus sous l'aile. Et de, oui, également. Oui, voilà. Oui. Tout à fait. Alors déjà, ce qui a permis de faire en sorte que ce LIP, le LIP 1A, donc ça c'est celui, oui je l'ai déjà dit, c'est celui qui est sur la 320 Néo, il fait 15% de réduction de consommation par rapport à la génération précédente, qui était le CFM 56-5B. Très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend un A320 Neo ou un Boeing 737 MAX quand ils voleront, on a quelle consommation ramenée aux passagers? Les meilleurs avions aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2 litres au 100, voire moins de 2 litres au 100. Après, bon, ça dépend du taux de remplissage, etc. Mais enfin, l'ordre de grandeur, c'est maximum 2 litres au 100, donc on compare tout de suite avec sa voiture. Avec la voiture, oui. Voilà. Donc vous me dites qu'on a gagné 20% par rapport à la génération précédente pour atteindre ce chiffre autour de 2 litres au 100 par passager. Mm-hmm. 15% par rapport 15% d'amélioration par rapport à la génération N'exagérons précédente. N'exagérons rien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors c'est 20% avec tout l'avion, ouais. C'est 15% pour les moteurs, c'est 5% pour le reste. Mm-hmm. Du coup, la prochaine génération, quel est l'objectif? Ah, alors... C'est là qu'il faut faire beaucoup plus, effectivement. Parce que j'ai déjà entendu dire qu'on nous reproche, on reproche à l'aviation de dire on a déjà fait beaucoup et on peut se reposer sur nos lauriers. Ça n'est pas vrai. On doit faire encore plus. Et à la génération prochaine de moteurs et d'avions, on devra faire plus que 15%, nettement plus, peut-être même le double. Et c'est à ce à quoi nous travaillons. Notre projet, c'est un futur moteur qui fera un saut encore plus grand que le saut qu'on a fait avec le LIP par rapport au CFM 56. Donc là, c'est par exemple les choses comme on voit l'open rotor, ce type de moteur-là? Exactement. Alors, l'open rotor, qu'est-ce que c'est? C'est une architecture de moteur ouverte, c'est-à-dire que on lui enlève son carter, le carter qu'on appelle le carter de soufflante, et puis on enlève la nacelle qui est autour, ce qui permet d'augmenter le taux de dilution sans avoir la pénalité de masse du carénage. Il y a plusieurs architectures possibles, donc c'est une des options que nous explorons. On a fait un très bel essai au banc,
à Istres, sur notre banc à l'air libre, c'est un banc au sol. En 2017, on a testé un open rotor dans le cadre du projet, du programme de recherche européen Clean Sky. Donc, Clean Sky, c'est un très grand programme de recherche européen qui rassemble toute l'aéronautique européenne, plus de 1000 partenaires, et avec un certain nombre de démonstrations, un grand nombre de démonstrations, parmi lesquelles il y a eu la démonstration de l'open rotor qui était dirigée par Safran. Voilà. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup. On remercie beaucoup d'ailleurs l'Union européenne pour son soutien. Et ça va nous permettre d'avancer pour cette prochaine génération. L'open rotor, du coup, comme il est ouvert, est-ce qu'on ne revient pas à un avion qui pourrait être plus bruyant ou un moteur plus bruyant, ce que vous avez abordé tout à l'heure, est-ce qu'on ne risque pas de rétrograder du coup la qualité sonore qu'on a autour d'un aéroport? Mais c'est effectivement un défi supplémentaire pour les ingénieurs, bien sûr, puisque tout à l'heure je disais que la nacelle, elle sert de cache acoustique. Bon, ben là, on n'a plus cet avantage. Alors, une des choses que nous avons apprises, c'est que le bruit n'est pas si élevé que ça, et en particulier, on passe les normes actuelles. Et on a confiance dans la capacité à améliorer encore plus l'acoustique par la conception aéroacoustique. Voilà. Donc, encore beaucoup de travail pour nos ingénieurs acousticiens. Alors, mais par contre, ok, on fait un moteur qui serait peut-être 20-30% plus efficace parce que c'est de l'open rotor. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il fonctionne à l'hydrogène plutôt qu'avoir du kérosène comme celui qu'on a aujourd'hui? Oui, alors là, on est sur une autre piste qui est également très importante. L'hydrogène, c'est super parce qu'il n'y aurait plus d'émissions de CO2. Ça, c'est la préparation du futur également. Donc, Airbus a présenté le projet très ambitieux de concept d'avion à hydrogène. C'est de toute façon, évidemment, donc on va les accompagner en recherche sur ce projet puisque le moteur sera concerné. On ne sait pas encore à quoi va ressembler le moteur à hydrogène, c'est encore un peu tôt pour dire quelle sera son architecture. La seule chose qui est sûre, c'est que nous devons travailler sur l'efficacité énergétique du moteur, quel que soit le carburant qui sera utilisé dedans. Donc double challenge. Voilà. L'efficacité et éventuellement changement de carburant. Oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, l'amélioration de l'efficacité énergétique, c'est indispensable. Que ce soit du kérosène, que ce soit des carburants issus de la biomasse, des carburants synthétiques ou de l'hydrogène. Il va falloir réduire la quantité de carburant consommé. Oui, dans tous les cas. Alors, là, on a beaucoup abordé toutes les dimensions avec les moteurs thermiques. Vous savez que je suis aussi fan de l'innovation. Est-ce que l'électrique, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Oui, bien sûr, on travaille sur l'électrique. On a actuellement un moteur qui s'appelle Engine US, qui est développé. Alors là, c'est notre société Safran Electrical and Power, qui travaille sur le développement de ce moteur électrique, hybride électrique, oui. Qui va trouver des applications sur différents modèles de petits avions. Alors là, on parle de petits avions ou d'hélicoptères, enfin, oui. Pas pour ce moteur pas précisément, celui-là. Mais l'hybridation et l'électrification, ça s'est bien adapté pour des véhicules de petite taille. Type le Cassio de Voltaero sur lequel vous êtes présent. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc là, ça avance aussi relativement rapidement parce qu'on va plus vite sur les petits appareils que sur les gros. Donc les appareils de 4, 6, 8, 10 sièges, déjà dans les toutes prochaines années, on va commencer à en voir. Et après, par contre, le passage à l'échelle. Donc si on doit cumuler des choses, des sauts technologiques comme l'open rotor, plus l'hybridation, plus le carburant alternatif, vous recrutez des ingénieurs, là, c'est ça? Oui, on recrute des ingénieurs. Alors on ne va peut-être pas tout mélanger tout de suite, cela étant. Pour le moment, en fait, on réserve l'électrification et l'hybridation au sens de la propulsion électrique. Hein, parce que l'électrification de l'avion, on y travaille depuis longtemps pour les fonctions non propulsives. Un dernier point, du coup, en tant qu'industriel, en tant qu'entreprise, Safran a aussi des locaux, émet du CO2 par son activité de production des moteurs et des autres parties des avions qu'elle fait. Est-ce qu'il y a aussi des efforts qui sont faits de ce côté-là? Oui, absolument. Nous avons lancé en 2018 un projet qui s'appelle le projet bas carbone,
dont l'objet est de réduire les émissions de CO2 de nos installations, de nos usines, de notre fonctionnement business. Mais c'est quel type de projets qui sont mis en œuvre pour réduire les émissions? C'est tous les projets qui consistent à réduire les consommations de carburants fossiles, d'électricité. Du coup, c'est principalement de la sobriété énergétique dans les usines qui est mise en œuvre. Oui, ça c'est un levier très important, en particulier l'installation de panneaux photovoltaïques pour l'électricité, notamment dans certains pays où l'électricité Et très carboné. est très carbonée, Ok, ouais, parce plus que qu'en oui, France. parce qu'on oublie aussi, Safran, c'est un groupe français très implanté en France, mais aussi d'énormes usines qui se trouvent Oui, dans des pays. c'est un groupe très international et encore plus international depuis qu'on a intégré en 2018 Zodiac Zodiac. Aerospace. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un message à passer pour les jeunes qui nous regardent et qui ont peut-être envie aussi de s'engager dans la voie de l'avenir que représente l'aviation? Oui, alors un mot de la fin. Moi j'ai envie de dire, ça fait 32 ans que je travaille dans ce secteur et pour le groupe Safran. Je suis fière de ce qu'on a accompli. L'aviation, alors il y a de plus en plus de jeunes qui se demandent s'ils ne vont pas finir en enfer parce qu'ils travaillent pour l'aéronautique. Bon, à cause d'une assez mauvaise presse, Faut qu'ils viennent discuter avec nous 5 minutes voilà, il après. faut qu'ils viennent discuter avec nous 5 minutes. L'aviation doit faire sa part et doit absolument réduire ses émissions. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est la technique, c'est la technologie. Donc, dans un groupe comme Safran, c'est par là que ça passe. Et on a besoin d'ingénieurs pour inventer ces technologies de demain et pour faire une vraie différence. Si ce n'est pas nous qui la faisons, si on arrête de travailler dans ce domaine, il y aura toujours des avions. Et ils ne seront pas forcément Fossiles, respectueux de l'environnement. ouais. Voilà. Donc les engagements environnementaux de l'Europe sont un peu supérieurs à ceux qu'on peut attendre des États-Unis ou de la Chine pour être Oui, l'Europe est absolument en avance. en avance. Elle montre la voie, elle ouvre la voie. Et c'est vraiment important que les Européens fassent ce travail. D'abord parce qu'on veut conserver notre industrie et Les emplois qui vont avec. les emplois, l'économie, la connaissance. Et puis on veut quand même continuer à avoir un monde où les gens peuvent voyager, se rencontrer, se retrouver. Bon, c'est un beau mot de la fin. Donc, on parlera peut-être une prochaine fois d'innovation avec certains de vos collègues. J'aimerais bien parler des drones taxis, des choses comme ça Oui. un sujet qui m'intéresse beaucoup. Un grand merci pour cet entretien. Merci Xavier, Les c'est un amis, si vous avez plaisir. des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de les passer à Valérie. Puis je vous dis toujours merci d'être toujours aussi nombreux et je vous dis à très bientôt.